Mon nom, c'est Hélène, l'unique enfant et fille de Chief Chimeremezi, PDG des entreprises du groupe Chimex. Vous voyez cet homme ici? C'est mon père et ma mère en même temps. J'ai appris que ma mère est morte à ma naissance et lui a été un merveilleux papa. Je l'aime. Qui est là? Qui est là? J'entends des gens qui frappent à la porte. Qui êtes-vous? Personne ne me menace! Personne ne me menace! Qui êtes-vous? Hein? Hé, qui êtes-vous? Je vous demande, qui êtes-vous? Je sais qu'il n'y a que de l'argent. Oui, toujours de l'argent. Je sais! Papa? Oui. Papa, j'aime celui-ci. Maintenant, tu recommences à me montrer ces choses qui me feront dépenser de l'argent. T'es mon père. Est-ce que tu me les montres juste ou bien... Papa, je te montre juste. C'est pas pour que tu achètes. D'accord, fais voir à quoi ça ressemble. Mais il faut que t'achètes un. Oh, gars. Vous voyez, quand je vous vois avec cette petite patronne, ça me fait rire. Vous savez, c'est génial. Magnus, comment tu vas? Oh, gars, je vais bien. Oh, gars. Depuis que je travaille ici, c'est la première fois que je m'énerve. Ces messieurs qui étaient là il y a 2 mois, ils sont de retour, ils sont en train de cogner la porte. Bam, bam, bam. Quand je regarde, j'ai demandé qui c'était. Mais qui sont ceux qui cognent depuis là? Je me suis énervé très mal. J'ai dit qu'il faut d'abord que je vienne vous prévenir. Où sont-ils maintenant? Ils sont là-bas devant le portail. Vous me connaissez? J'ai fermé le portail. J'ai dit personne n'entre. Oui, impossible d'entrer. Demande-leur d'entrer. Au cas, vous dites? Je dis, laisse-les entrer. Mais fais-les entrer. Gars. Il ne changera jamais. Exactement. Quel personnage. Mais papa, si t'achètes ceci, je le veux en rouge. Écoutez, si ce n'était pas que mon patron avait un bon cœur, je ne vous aurais pas laissé entrer. Regardez-moi cet imbécile. Tu n'es qu'un imbécile. Et par ici, venez, suivez-moi. J'ai dit suivez-moi. Si ce n'était pas mon patron. Ha. Ah. Oh, gars. Ah. Les voici. Oncle. Tu m'es remisé. Hein? Vous ne m'avez pas prévenu de votre arrivée. Hein? Bonsoir. Vous ne m'avez pas prévenu de votre arrivée. Bonsoir. Attendez que je vous prenne des chaises. Assieds-toi d'abord. Hey. Merci pour la boisson. Je t'en prie, oncle.
Chimérémez est mon frère. Tu sais qu'on t'aime. Nous nous soucions de toi. Et nous ne pouvons pas t'induire en erreur. Regarde comment tu as changé notre jolie et adorable fille en femme. Simplement parce que tu as refusé d'épouser une autre femme. Exactement. Dans cette folie. Comment ça? J'ai cru que c'était à cause de son amour pour Izini. Mais là, je ne sais plus quoi penser. Chimérésime, as-tu vérifié ton état mental? Comment oses-tu m'insulter dans ma propre maison? Tu as perdu la tête? Je ne t'en veux pas. Pour ton information, tout va bien chez moi. Si quelqu'un doit vérifier son état ici, c'est toi. Isiaga. Oncle. Omarisiami. Oncle. Neo. Babi. Peux-tu nous laisser seuls? Ok, je vous fais votre favori comme d'habitude. C'est bien. Pourquoi tu lui demandes de nous laisser seuls? Tu sais que je ne lui cache absolument rien. Elle est toute ma vie. Shima, t'attends-tu à ce qu'elle s'asseye là pendant que les aînés discutent? Ce qui veut dire? C'est-à-dire qu'elle n'est pas censée être ici et écouter notre conversation. Écoutez ce que ses aînés sont sur le point de te dire. Chimérémès, il te faut une autre femme. Et pour l'unique raison qu'il te faut un fils. Chimérémès, il te faut un autre enfant. Je n'ai pas besoin d'une autre femme dans ma vie. Hélène est le fils et la fille dont j'ai besoin. Et pour moi, ça me va. Si c'est pour cela que vous êtes venu ici, alors vous pouvez repartir. Shima, est-ce que tout va bien? Si c'est pour cette raison que vous êtes venu chez moi, alors vous pouvez repartir. Je vous prie de me laisser en paix. As-tu oublié? Ta maison est aussi la mienne. Tu ne peux pas me chasser comme ça. Tu nous chasses de chez toi. Je ne l'accepterai pas. Il y a quelque chose de louche. Avec cette belle maison que mon boss a. Hey, si je parle ici maintenant, ils diront seulement que Magnus, tu ne fais rien. Des gens qui ne me donnent même pas de l'argent, ils viennent ici et ils commencent à cogner. En fait, si ce n'était pas mon Oga, je n'aurais jamais ouvert ce portail. Ils allaient rester là. Si je... Il n'y a pas de problème. Mon Oga. Ah, mon Oga. On se calme. Je suis dépassé par le comportement de Shima. Il est tellement entêté. Igo peso peso. Je n'arrive pas à croire. Oui. Je n'arrive pas à croire que notre frère refuse encore de prendre une deuxième femme. N'es-tu pas sûr qu'il a fait un pacte de sang avec sa défunte épouse Izine? Ouzo, je n'en sais rien. Quand tu me demandes, à qui vais-je demander? Mais moi aussi, je n'en sais rien parce que je ne suis pas Chimérémézé. J'ignore. Ouzo, je n'en sais rien. Obi, es-tu certain de ne rien savoir à ce propos? Obi! Tu me fais vraiment rigoler. En fait, tu es drôle. Donc maintenant, tu prends le parti de tes oncles, c'est ça? Papa, c'est pas comme si je prends leur parti. Mais père, t'as besoin d'une femme dans ta vie et moi d'une mère dans la mienne. Donc tu veux me dire que je n'ai jamais été là pour toi et que je ne t'ai jamais donné tout ce dont tu avais besoin? Loin de là, père, t'as été si merveilleux. Laisse-moi donc te dire quelque chose que tu ne sais pas, Hélène. Quelque chose que tes oncles et les autres ne savent pas.
Ta mère a été mon premier amour. Malgré qu'on dise que personne n'est parfait, que l'amour parfait n'existe pas, elle était le parfait amour à mes yeux. Ta mère et moi, nous n'avons jamais fait un pacte de sang, malgré qu'elle soit morte à ta naissance. Et je me suis juré de ne plus jamais tomber amoureux. Et quant à moi, ça me va. Père! Papa. Pourquoi est-ce que tu as l'air triste? Tu as quel problème? J'arrive pas à dormir. Tu veux dormir avec ton papa? Je savais que quelque chose te tracassait. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Je suis désolée pour ce que je t'ai dit. Je ne savais pas que ça t'offenserait. Désolée. C'est bon. Je comprends. Demain, toi et moi, nous irons au cinéma. Ensuite, nous irons au parc. Tu es sérieux? Et aussi, pour tout te dire, demain, c'est ta journée. Oh, merci, papa. Merci beaucoup. Oh, je t'en prie. Tu es le meilleur, papa. Oh, je t'en prie, et tu es la meilleure de toutes les filles. Merci, papa. Il n'y a pas de quoi. Va te coucher. Va te coucher, tout ira bien. Ok, père, bonne nuit. Bonne nuit, ma chérie. Elle est comme sa mère. Père, ça a l'air très bon. Attends, tu veux dire que t'as cuisiné ceci, toi-même? Père, je t'ai dit plusieurs fois, c'est mon devoir de te faire à manger et pas le tien. Eh bien, avant de te plaindre, apprécie d'abord mes talents de cuisinier. Et en fait, j'ai oublié d'ajouter ça à tout ce que nous ferons aujourd'hui. Attends, tu veux dire que tout ce que t'as dit hier était vrai? Absolument tout. Je t'aime, papa. Je t'aime encore plus. Waouh. Ok. Quelqu'un pourrait-elle se détendre et manger le repas préparé par son père? Bien sûr. Ok, je vais commencer par la viande. Allez, fais-toi plaisir. Waouh. Tu ne vas pas y croire. Bon après-midi, maman. Bon après-midi, maman. Que signifie tout ceci? Je me répète. Que signifie tout ceci? Ada? Alice? Ce n'est pas à vous que je m'adresse? Mais maman, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Alice, tu comprends ce que maman veut dire? Ah, moi non plus. Maman, qui t'a mise en colère ce matin? Que qui m'a mise en colère? Oui, maman. Que Dieu vous punisse. Que Dieu vous punisse toutes les deux. Maman. Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Ce ne sont pas tes sœurs. Tes sœurs m'ont dit que les cours s'étaient arrêtés. Mais quand je me suis rendue dans leur école ce matin, j'ai eu le choc de ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Elles ont été exclues. Qu'est-ce qu'on fait? On m'a même donné des lettres. Des lettres d'exclusion. Pour que je la leur mette. Je le savais. Je savais que quelque chose clochait quand elles ont arrêté d'aller en cours. Hey! Ferme ta bouche, Kelly, quand tu n'as rien à dire. Ah! Maman. Mon bureau. Sais-tu que Kelly a été exclue de l'école parce qu'il a été surpris en train de violer une fille? Maman ne les écoute quoi? Pas. Elle raconte des mensonges. Maman, c'est vrai? Si je te gifle, là. Si je te gifle. Regarde-moi la bouche. Je t'ai dit qu'elle ne doit pas nous écouter. Tu n'es maman. Maman, il ne m'aime pas tout. Je n'aime même pas tout, maman.
Il fait aussi partie du groupe le plus dangereux de son école. Hey. Maman, elle raconte des conneries. Ok, ok, demande-leur comment elles ont fait pour savoir ça, vu qu'elles ne sont pas dans mon école. Mon Dieu, c'est simple. Mon Dieu, nous avons des amis dans son école. Ils nous ont tout raconté. Hey. Maman, c'est des mensonges. Hey. Maman, c'est des mensonges. Oh, ok. Eh oh, tu vois, maman. C'est de ta eh faute, maman. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait à tous les trois? Pourquoi avez-vous décidé de toujours enlever ma joie? Pourquoi? Ne me suis-je pas toujours occupée de vous depuis que votre père est décédé? Tu l'as fait, maman. Tu l'as fait. Alors pourquoi est-ce que vous me faites tout ceci? Pourquoi est-ce que vous me remerciez en couvrant notre famille de honte? Pourquoi? T'es ma première fille. Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi ne m'aides-tu pas en t'occupant de tes cadets? C'est quoi tout ça? Pourquoi? Désolée, maman. Maman, je suis désolée. Mais le fait est que je vais arrêter avec les études. Maman, pardon. Je ne suis pas faite pour aller à l'école. Maman, c'est pareil pour moi. Je ne veux pas du tout aller à l'école. Pareil pour toi. Qu'est-ce qui vous arrive, mes filles? Qu'est-ce qui vous arrive à toutes les deux? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi tout ça? Désolée. On est désolée, maman. Ok. Vous ne voulez plus partir à l'école. C'est quoi vos projets? J'aimerais maquiller les gens pour qu'ils aient fière allure pour leur occasion. Pardon. Maman, je t'en prie. Maman, moi, je voudrais devenir mannequin. Je veux être la prochaine à Benny Dirico. Maman, je veux gagner beaucoup d'argent pour pouvoir voyager à travers le monde et rencontrer de beaux hommes. Ah, maman, quant à moi, j'aimerais gérer les biens que mon père a laissés par ici. Ah, je ne peux pas aller à l'école. Je voudrais faire. Hein, maman? Dégagez de ma vue! Foutez le camp! Allez-vous-en! Foutez le camp! Oh mon Dieu! Seigneur! Foutez le camp! Laissez-moi tranquille! C'est quoi tout ça? Pourquoi vous vous comportez tous comme des idiots? Seigneur! Pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi ces enfants ne prennent pas exemple sur Hélène? Pourquoi m'as-tu donné des problèmes sous forme humaine, Seigneur? C'est quoi ça, mon Dieu? Mon Dieu, pourquoi? Papa, attends-moi. Olga, la petite patronne. Alors, vous sortez? Ouais, est-ce qu'il y a un problème? Non, pas tout à fait. Juste que je voudrais que vous m'aidiez avec certaines choses. Et aussi, je n'ai rien à mettre sous la dent. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Olga, ça t'aurait bien comme vous en parlez. Nabutia Noya. Vous savez ce qu'on appelle le Nigeria, tout ce sait. Nous savons tous ce qui se passe. Et vous savez, ce téléphone que j'utilise n'est pas de bonne qualité. À peine tu l'as utilisé, il se décharge. À peine tu l'as chargé, il s'éteint. Tu charges encore un peu. Tu ne peux rien écouter si le téléphone est éteint. Alors, je souhaiterais que vous m'aidiez un peu à acheter une nouvelle batterie pour que je sois informé de l'actualité du Nigeria. Oh. Et c'est tout? Ouais, Olga, si vous pouvez aussi m'acheter... Olga, le meilleur. C'est d'accord. Je,
Je vais t'aider. Ok. Oga, Oga. Je prie que la nourriture ne te suive pas. Ça ne me tuera pas. Je vous ouvre le portail. Ouvre le portail. Petite patronne. Cette nuit que vous voyez est bizarre. Ne me jugez pas. S'il vous plaît, petite madame, ne jugez pas Magnus. Oh, hey, Magnus. On dirait que mes yeux me jouent des tours. Où est passé ce boulet? Maman. Maman, tu es là. Hein? Bon après-midi, maman. Kelly. Maman, Kelly? Où sont mes sœurs? Eh bien, elles sont sorties. Mais où est passé ce poulet qui était ici? Maman, je voudrais te parler. Qu'est-ce qu'il y a? Ok, maman. Mes sœurs et moi avons été exclus de l'école. Et quand tu nous as demandé ce que nous voulions faire, nous t'avons donné des réponses inappropriées. Et après, tu n'en as plus parlé. Tu n'as même pas essayé de discuter avec nous. Maman, est-ce que tu veux qu'on souffre et qu'on finisse nos vies comme des ratés? Que Dieu m'épargne! Aucun de mes enfants ne sera un raté dans cette vie au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas de problème. Je vais réfléchir là-dessus. Je vais réfléchir. C'est bon. Ah. Waouh. Où est passé ce poulet? Venez par ici. Maman. Elles sont là. Maman. Nous sommes là. Maman, tu nous as appelé? Oui. Mes enfants. J'irai à Lagos très tôt demain matin pour voir votre oncle. Ouais. Maman, nous n'avons qu'un seul oncle qui vit à Lagos. Les autres sont ici au village. Lequel de nos oncles vas-tu voir? Est-ce l'oncle Timérusé? Oui. Avez-vous un autre oncle en ville en dehors de lui? Oui. Maman, quand tu arrives à Lagos, hein, dis à tonton, tu sais que je suis sa préférée. Dis-lui de m'acheter des vêtements, des crèmes pour le corps, des rouges à lèvres. Ferme ta bouche, Biko. Tu ne cherches même pas à savoir pourquoi est-ce que je voyage. Tu fais déjà une liste de ce qu'on doit acheter. Abanidarigo. Abanidarigo, la star. Quoi qu'il en soit, je veux me rendre chez votre oncle pour lui demander de l'argent pour que vous puissiez retourner à l'école. Oui, je crois que cette fois, vous allez faire de votre mieux. Oui. Mais maman... Non. Tous les trois, vous allez retourner à l'école. Et c'est comme ça. Même si c'est une formation technique. Je crois que vous allez vous améliorer, vous allez faire mieux. Oui, c'est vrai. Merci, maman. Nous promettons de faire mieux cette fois-ci. Kelly, alors tu approuves cela? Regarde-moi celle-là. Regarde-moi ça. Magnus? Magnus! Oui, petite patronne! Je me disais que à chaque fois que vous m'appelez, Magnus, ça ne pouvait qu'être pour rien d'autre. Rien d'autre. Toi et la nourriture, hein? J'espère qu'elle ne te tuera pas un jour.
Non, jamais. En tout cas, voilà ta nourriture. Merci. Oui, et tu sais quoi? Je t'ai mis assez de viande. Wow! Petite madame, je voulais vous poser une question. Pourquoi vous êtes si gentil envers moi? Vous faites ceci, vous faites cela. Je prie que ça vous arrive aussi un jour. Que les dieux des gardiens continuent de vous bénir, bénir, bénir. Amen. Mais Magnus, tu ne m'as pas dit que tu étais déjà pasteur. En tout cas, profite. Je viendrai chercher l'assiette après. J'ai fait un délicieux repas aujourd'hui. Je reviens prendre l'assiette. Alléluia. Merci. Vous voyez, ils diront que ça ne sert à rien de faire du bien. Que faire du bien est vain. Regarde comment Oga et sa fille me couvrent d'amour. Je l'ai dit, ça sera toujours ainsi. Les gens qui passaient leur temps à dire que ce sera autrement. Regarde comment ils me donnent de délicieux repas. Avec douceur. Des douceurs. Oui, avec douceur. Que les dieux des gardiens continuent de les bénir. Ma petite patronne et mon Oga. Je ferais mieux d'aller manger avant que ce petit racoleur ne vienne commencer à crier ici. Oga. Oh, papa, j'allais donner à Magnus son déjeuner. Qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce que tu vas bien? Oui. Ok, je voudrais que tu le devines. Devinez. Papa, tu m'emmènes faire des boutiques? Est-ce que c'est la seule chose à laquelle tu peux penser? Ok, tu as eu une affaire? Papa, dis-moi, tu sais que je suis pas bonne aux devinettes. Tu l'as fait. Trouver quoi? Tu l'as fait. On vient tout juste d'envoyer vos résultats. Tu as eu un score de 358 points. Ce n'est pas vrai. C'est bien vrai. Ah, papa, c'est pas vrai. Je ne peux pas croire. Tu ferais mieux parce que c'est ce qu'affichent les résultats. Papa, j'espère que ce n'est pas une blague. Écoute, nous devons plutôt réfléchir à comment nous allons célébrer ce merveilleux moment. Ah, oh, mon oui. Dieu! Comment allons-nous le célébrer? Papa, peut-être qu'on doit sortir, mais... Ce n'est pas exactement ce que je vais faire. Je vais chercher l'une des meilleures écoles de formation pour toi aux États-Unis quand j'irai pour mon congé annuel. Tu es sérieux? Non, c'est pas vrai, je peux pas croire. Tu mérites mieux. Oh, j'espère que je n'irai pas. Tu mérites mieux, ma fille. Non, mais c'est vrai. Oui. 358. Papa! Merci, papa. Oh, je t'en prie. Merci d'être le meilleur père. Merci d'être la meilleure fille du monde. Waouh! 258. 358 points et non 358? Ouais. Non, je crois pas. Waouh! Il faut avouer que ça fait beaucoup. Sortez! Je ne vais pas vous... Ça suffit. Laisse-le entrer. Oga. Encore une visite à l'improviste. Tu es encore arrivé chez moi, sans toutefois m'appeler ni avoir une invitation. J'espère que tout va bien. Tout ne va pas bien. Rien ne va. Pas même un comme ça. Qu'as-tu fait à Véronica? Je ne lui ai absolument rien fait de... Tout ce que tu es en train de raconter. Elle est venue te demander de l'aide. Mais tu n'as même pas été capable de lui donner un aïra. Hein? C'est ce qu'elle t'a dit. Pourquoi es-tu si méchant? Pourquoi es-tu sans cœur? Est-ce que c'est ce qu'elle t'a dit? Que je suis méchant et sans cœur? Elle est venue me demander de l'argent pour pouvoir inscrire ses enfants à l'école. Et je lui ai dit de me donner un peu de temps. Le temps pour moi de rentrer d'un voyage à l'étranger. Ai-je fait quelque chose de mal en lui disant la vérité? Ou devrais-je lui mentir? Non, dis-moi, où est-ce que je l'ai offensé dans cette situation? Monsieur le juste. Ce n'est pas ça.
Elle ne m'a jamais dit que tu l'avais insultée ou quelque chose du genre. Mais tu sais que ces enfants doivent retourner à l'école. Tu aurais dû l'aider, peu importe la somme. Je sais combien c'est important pour ces enfants de retourner à l'école. Mais mon voyage à l'étranger est encore plus important. Si je ne réussis pas ce voyage, il y aura la galère dans cette maison. Et cela va t'affecter. L'affecter, elle. Et aussi ses enfants, ainsi que ma fille. Tu feras ton voyage calmement. Mais quand tu rentreras de ton voyage, pense à l'aider. Tu sais que ces enfants doivent retourner à l'école. Tu es venu sans ton sac. Alors comme ça, tu es parti du village. Juste pour cette affaire. Que croyais-tu que j'allais faire pour que tout le monde soit content? En passant, je meurs vraiment de faim. Pourrais-tu dire à ta Hélène, fille... Hélène va te faire quelque chose à manger. Hélène? Mais Alice, je n'arrive pas à croire que l'oncle Jim et Remezi n'a rien donné à maman pour nous. Ce n'est pas vrai. Il nous a donné de l'argent, mais il ne nous a pas donné la somme exacte que nous avions demandée. De toutes les façons, il a ses raisons. Kelly, la ferme. Kelly, si tu n'as rien à dire, tu fais quoi? Tu gardes ta bouche fermée. Kelly, donne-moi ses raisons. Non! Fais-moi part de ses raisons. Ok, maintenant, essaies-tu de me dire que... Apprisons-les. Soi-disant voyage de notre oncle sont plus importants que notre futur. Ça me dépasse. Demande-lui. En fait, donnons-lui un peu de temps, vu qu'il a promis qu'il va nous donner de l'argent pour notre école lorsqu'il sera rentré de voyage. Et tu l'as cru? Ne sais-tu pas qu'il ne faut pas faire confiance aux humains? Ils sont changeants. Arrête de te plaindre et souhaite-lui juste un bon séjour, c'est tout. Écoute, Kelly, ce n'est pas comme si je me plaignais. Je ne me plains pas. Je lui souhaite un bon séjour. Je prie juste qu'il ne nous déçoit pas. Car s'il le fait, je ne serai pas aussi compréhensive. C'est pareil pour moi. Vous parlez comme si se faire de l'argent était facile. Savez-vous comment il gagne son argent? Nya, 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 nya. Kelly, c'est l'heure. Idiote. Dégage. Va-t'en. Alors, que fais-tu encore là? Va-t'en. Kelly, va-t'en. Ada, je n'aime pas toutes ces intimidations. Dégage. Je n'aime. Remercie le ciel que je sois de bonne humeur. Foutaise. Regarde-le, il veut défendre son oncle. C'est un enfant, qu'est-ce qu'il en sait? Hey! Seulement! Seulement, viens, viens! Viens m'aider! Je suis le chef de la sécurité! Ha! Magnus! Papa, tu vas me manquer. Tu vas aussi me manquer et je crois que tu vas encore beaucoup plus me manquer. Alors, que veux-tu que je te garde de mon voyage? Beaucoup de bonnes choses. Et par-dessus tout, je veux une école où j'irai sans stress ni dérangement. Je m'attendais à ça. Toujours en train de craindre d'offenser les autres et de te faire repousser. Pas, tu sais que j'ai horreur des troubles, que je ne fuis pas. Je veux pas de troubles. Ok, ne t'en fais pas. Je vais te trouver la meilleure école en Amérique. Mais ce sera après ma réunion avec mes associés. Ok, père. D'accord. Pas de soucis, je te fais confiance. Sois sage. Oui, papa. Et aussi, prends bien soin de toi. Tu vas me manquer. Et surtout pas d'histoire. Ok, papa. D'accord. Bye. Oga, oga. Oga, oga. J'ouvre le portail. Mais ouvre le portail. Oga, oga. Je m'en vais ouvrir le portail. Oga, bon voyage. Oga, oga. Ah. Thank you.
Ah, ah, ah. Très bien. Où pensez-vous aller habillé comme ça? Vous pensiez que je ne vous ai pas vu. Je vous ai vu. Et Kelly? Et qui pour surveiller nos faits et gestes? Et questionner sur comment on s'habille? On dirait que tu sembles avoir oublié ta place dans cette maison. Alice, est-ce que tu entends ça? Kelly, écoute-moi. On n'a pas de compte à te rendre. Compris? Ada? Attendez. Donc vous n'avez aucun compte à me rendre. Bien, de toute façon, pas besoin de m'expliquer, car je sais déjà où vous allez. Vous voulez aller retrouver vos incapables de petits amis. Pas de souci, vous pouvez aller où vous voulez, mais soyez-en sûr. Allez où vous voulez, mais je vais tout répéter à maman. Kelly, vas-y et dis-le à maman. Et c'est seulement Kelly. Et nous allons t'accuser comme nous l'avons fait la dernière fois. N'importe quoi. Alice. M'impliquer? Oui. Et dans quoi allez-vous m'impliquer encore? Qu'est-ce que tu le dis à maman? Tu l'as entendu. Dis-lui. Dis à maman. Et tu verras. Imbécile. Alice, allons-y. Oh. Donc quoi pourrait-elle vraiment m'impliquer, ces filles? Qu'elle rentre d'abord. Qui est là? Qui est là? Qui sont ces fous qui frappent le portail n'importe comment? Tout le temps, c'est ba-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 ba. Petite patronne. Petite patronne. Magnus. Petite madame. Autant joyeux. Rien du tout. J'ai cru que c'était ces gens qui viennent toujours demander « Oga, Oga est là, Oga est là » pour de l'argent. Le plus marrant, c'est qu'ils ne préviennent même pas avant de venir. Tu entends seulement « Ba-b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 a
C'est à propos du crash d'avion, les informations sur le crash en ville. Est-ce le crash d'avion qui te poursuit ou bien ce sont les mauvais esprits? Obi, tu es vraiment stupide. Obi, notre frère y était. Notre frère a pris cet avion. Lequel? Hey, tu fais souvent comme un homme qui a perdu tous ses sens, tu ne comprends pas quoi. Obi, quel homme riche avons-nous dans cette famille imparti, mes amis? Hey! Il était dans cet avion. Qui a tué presque tous les passagers à bord? Non, pas presque! Ils ont dit que tous les passagers de cet avion sont décédés! Oh, mais tu verrais mes aînés plus! Tu verrais mes aînés plus! Il est mort! Hey! Tu construis une si belle maison. Tu construis une si belle maison pour mourir. Une nouvelle comme ça apparaît de nulle part. Celui qui me... qui va encore me... Tu m'es remisé. Tu nous as laissé cette immense maison. Je ne savais pas que quelque chose allait arriver. Je ne savais pas que tu allais mourir. Je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Tu aurais dû me léguer tout ceci. Maintenant, tu es mort. Regarde-moi cette grande maison. Je pourrais faire des recherches. Je dois savoir ce qui vous est arrivé. Je dois vraiment savoir pourquoi cet homme est mort. Je dois me rassurer que ce que j'ai entendu les gens dire est vrai. Tu m'es remise. Obi, maintenant que l'enterrement de notre frère est terminé, quelle est la suite? La suite? Que veux-tu dire par que faisons-nous après? Donc c'est partageux. C'est bien. Quoi d'autre? Obi Naya! Obi de Obi! Tu as eu la même idée. Exactement. On va se partager les biens, comme tu as dit. C'est notre tradition, alors la tradition va trancher. Après tout, ce n'est pas de notre faute. Nous lui avions pourtant conseillé de prendre une deuxième femme, mais il a refusé. La tradition tranchera, c'est clair. Mais ce qui m'ennuie, c'est cette pauvre petite fille. Où est-ce qu'elle vivra si nous lui prenons la maison? Quand nous aurons fini de partager ses biens, tu lui donneras, hein, ta part de bien. Jamais. Sais-tu depuis combien de temps je rêve de devenir un homme riche? Alors ça n'arrivera jamais. Ok. Je ne lui donnerai même pas un penny, même s'il se fait tout petit comme ça. Mais je me demande bien où est-ce qu'elle ira si nous lui prenons cette maison. C'est tout ce qu'elle a. Ah, on va l'envoyer chez Véro. Elle ira vivre avec elle jusqu'à ce qu'elle soit majeure et prête à se marier. Ce n'est que ça. Obi Naya! Obi! Tape mon sac! Obi, tu me rappelles vraiment notre défunt frère. Oui. Hmm? Mais penses-tu que Véronica l'accepterait chez elle après ce que son père lui a fait? Tu sais qu'elle est vraiment très rancunière. C'est très simple. Écoute, nous allons lui donner assez d'argent. Assez d'argent. Car elle est très cupide et l'affaire sera réglée. Obi Naya! Obi et Naya! Il n'y en a pas deux comme toi. Et je le répète, tu me fais penser à notre défunt frère. J'ai tout appris de notre père. Hein? On se partage les biens. Tu prends les tiens et je prends les miens. Tu prends ta part, je prends la mienne. Tape mon sac. Obi! Des jours radieux s'annoncent. Donne-moi les clés.
Tu vas donner. Donne-moi les clés. Oga, s'il vous plaît, donnez-moi juste une chance, non? Vous ne pouvez pas faire ça. Donnez-moi juste une chance. S'il vous plaît. Tu vas me donner les clés. Allez, prends ces clés. Ah, ok, qu'on t'accorde une chance. Alors tu peux supplier. Tu peux supplier qu'on t'accorde une chance. Est-ce que tu te souviens des fois où tu nous criais dessus, nous chassais comme si tu étais un lieu infamé, hein? Tu n'imaginais pas que ce jour viendrait. Oga, je vais vous dire la vérité. Ils m'ont donné quelque chose. Je ne savais pas ce qui m'arrivait. Je crois que je n'avais pas les yeux clairs quand je faisais ça. On aurait dit que j'étais possédé par des choses étranges ces temps-là. Je ne comprends pas. Ces temps-là, je partais même souvent manger des herbes. Je ne connaissais pas ce qui m'arrivait. Mon corps me contrôlait de manière étrange. Je ne savais pas ce qui se passait. C'est le diable. Je vous dis, c'est le diable. C'est le diable. Nous le savons. Tu viens de dire que tu es possédé par le diable. Raison de plus pour que tu quittes cette maison. Pour que le diable ne possède pas cette maison et détruise ta vie. Hein? Va-t'en. Attendez. Les choses ont changé. Tout a changé. Ce démon qui me perturbait a été chassé. Je vous jure, j'ai subi une délivrance. J'étais à l'église. On t'a délivré. Croyez-moi, s'il vous plaît. Donne-moi les clés. S'il vous plaît. Tu peux garder ces clés, hein. Mais ne ferme pas la porte. Vas-y. Va-t'en. Dégage, vas-y. Ouais, c'est fait. Cet idiot est parti d'ici. C'est bien. Mais regarde cette maison. Cette maison est tellement belle, tellement grande. Je ne sais pas pourquoi tu veux vendre la maison, hein? Continue. Regarde bien. Cette maison est tellement belle et immense. Je veux vendre cette maison parce que je n'aime pas vivre en ville. J'aime vivre au village. J'aime ma petite maison. Je vais vendre cette maison et utiliser cet argent. Écoute, c'est seulement parce que t'es mon grand frère. Toi et la pauvreté est inséparable. Es-tu marié à la pauvreté? Tu préfères cette case au village? Oui. À cette immense villa? Hein? Oui, je vais vendre cette maison. Et je ne te dirai pas ce que je ferai de la vente de cette maison. Je vais la vendre et te donner ta part. Je ne dirai rien. Oui, je vais vendre cette maison. Je vais la vendre. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens avec moi. C'est maman. Qu'est-ce que tu fais de l'avoir compté de l'argent? Chérie, je l'ai vu faire la même chose hier. Vraiment? Oui. D'où sort-elle cet argent? Chez qui d'autre que nos oncles? Ils lui ont remis de l'argent pour que cette fille vienne vivre avec nous. Oh! Maman n'aurait pas dû prendre de l'argent de cette fille d'église. Cette femme, hein? Attends, écoute. Après tout, c'est notre cousine. Elle peut venir. Comment oses-tu? Tu as perdu la tête? Si elle vient vivre ici, elle va ruiner tous nos plans. Comment ça? Comment? Tu vois ce que l'on dure avec Kelly? Eh bien, dis-toi que c'est trois fois rien. Cette fille finira par apporter tout ce que nous ferons à maman. Eh wow. Je t'assure. Je n'y ai même pas pensé. Ok, maintenant, elle est là. Comment va-t-elle? Comment allons-nous la faire partir? Je vous dis, on va lui rendre la vie misérable et invivable. Et elle n'aura pas d'autre choix de nous rejoindre ou partir. Hein? C'est tout. Tu es très sage. Bien tu sûr. Tu réfléchis beaucoup. Tu sais que j'ai toujours de bonnes idées. Oui, tu le sais. Donc, parce que je te félicite. Mm-hmm. Donc, parce que je te félicite maintenant, tu vas avoir la grosse tête. Maintenant, laisse-moi te dire un truc. Avec toutes tes connaissances que tu prétends avoir, as-tu réussi tes examens? Oh, as-tu réussi les tiens? As-tu réussi tes examens? Peu importe. Regarde, maman arrive. Maman arrive. Ah, ma fille, tu pleures toujours? Hé! Arrête de pleurer, non?
Arrête de pleurer. Je t'en prie. C'est bon. Hein? Ma tante, comment arrêter de pleurer? Tante, tu veux dire que je ne vais plus voir mon père? Hélène, tu ne verras plus jamais ton père. Je suis désolée. Il est parti et c'est pour de bon. Non. Rien ne pourra plus ramener ton père. Non. C'est encore quoi toutes ces conneries? Hein? C'est quoi ces bêtises? Tu veux me donner une crise cardiaque? Pourquoi est-ce que tu cries? Tu veux me donner un AVC? Pourtant, je suis là à te consoler. Pourquoi t'arrêtes de pleurer? Oh, je peux voir que t'es loisive. C'est pour ça que tu peux te permettre de verser des larmes inutiles. Maintenant, va à l'arrière de la cour. Tu vas voir un tas de vêtements que j'étais sur le point de laver. Va les prendre, tu les laves. Tu les laves tous, qu'ils soient bien propres. Hein? Ah, tontine, tu veux dire, je dois... Ferme ta bouche. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Je te parle et tu veux me poser des questions? Je suis devenue ta copine, n'est-ce pas? Va à l'arrière de la cour, ma chère. Et tu me laves ces vêtements. Dépêche-toi, pardon. Tu en veux encore? Tu en veux encore une? T'es là à me regarder. Pardon, dégage! Regardez-moi ça. Une imbécile. Tu crois que si mes frères ne m'avaient pas donné de l'argent, je t'aurais laissé venir vivre avec moi? Je veux que ces vêtements brillent. Prends ça. Prends ces vêtements et lave-les bien propres. Je veux dire, lave-les bien propres. Et rassure-toi qu'ils sèchent avant 13 heures. Mm-hmm. Tu me louches. Comment est-ce possible que ce soit sec avant 13 heures? Ne t'avise plus jamais de me questionner. Oh, t'as oublié ta place dans cette maison, pas vrai? J'en ai terminé. Donc tu me gifles pour une simple question? Vraiment? Et je te chifflerai encore! Hélène, ou peu importe ton nom, assure-toi de laver et faire briller ces vêtements avant 13 heures. Sinon, tu ne vas pas apprécier ce qu'on te fera. Alice, allons-y. Petit effondré, tu veux vivre chez nous. Tu verras le pire. Idiote. Chinekeme, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu fous là? Hélène! Maman? T'as posé une mamie au feu et t'es en train de dormir! Et... Non, attends, viens! Maman? Qu'est-ce que je t'ai demandé de faire avec ces vêtements? Que je les lave. De les laver? Oui. De les laver correctement? Ah, j'ai lavé. N'est-ce pas? Oui, j'ai bien lavé. Quel habit as-tu bien lavé? Oui, maman. Comment se fait-il que je vois des taches partout? Hein? Tu ne vois pas ces taches? Non, maman. Hélène, tu restes là à dormir pendant que ma nourriture au feu. Maman, qu'est-ce maman, qui ne va pas avec cet enfant? Ton maman, plan est de me tuer dans cette maison? Attends-moi. Je vais te tuer avant que tu ne me tues. As-tu vu l'argent? Mais non! Ça doit être là, c'est sûr! Je sais que c'est là! Allez, cherchons bien! Cherchons! Hélène? Que t'est-il arrivé? Pourquoi tu pleures? Non, je vais bien. C'est quelque chose dans mon nez. Attends. Ne me dis pas que tout va bien. Tu ne nous as pas rejoints pour le déjeuner et tu es là à me parler de ton œil. Dis-moi ce qui t'est arrivé. Déjeuner? Le déjeuner dont ta mère m'a privé? Elle a fait. Pourquoi ferait-elle une telle chose? Kelly, ta mère dit que j'ai volé son argent.
Depuis que je suis née jusqu'à présent, j'ai jamais volé quoi que ce soit. Et ta mère dit que j'ai volé son argent. C'est bon, je sais que tu n'as pas volé cet argent. Est-ce que tu as faim? Je t'assure que j'ai vraiment très faim. D'accord, je reviens, je te prends à manger. Ok. Hein? Tu as dit? Qu'est-ce que j'ai entendu? Tu vas lui donner quoi? Ma nourriture? Hein? Kelly? Non, maman. Qu'est-ce que tu voulais faire? Hein? Hélène? Maman. Tu voulais manger ma nourriture? Non. Non, non. Tu voulais manger ma nourriture, Hélène? Non, maman. Je te pose la question. Tu veux jouer avec moi? Non, maman. Hein? À cause de quoi? Pourquoi tu mérites repas? Parce que tu as lavé ces petits vêtements et t'as fait la cuisine. Hein? Aïe, maman. Ferme ta bouche, je ne t'ai rien demandé. Oya, dégage d'ici. Maman. Ferme ta bouche et dégage d'ici. Arrête de m'appeler maman. Regarde-moi sa tête. Je vais te donner une claque. Imbécile. Toi, écoute-moi. Tu ne vas rien manger dans cette maison aujourd'hui. Tu m'as compris? Tu ne vas manger Akam. Tu sais ce qu'il veut dire Akam. Si tu mets quelque chose dans ta bouche, je ne m'appelle plus Véro. Mais maman, je ferme. Regarde-moi ça. Tu veux parler quand je parle? Tu veux parler? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Mince, Kelly, Kelly arrive! Kelly, que fais-tu ici et pourquoi t'es entrée? Où est l'argent que vous avez volé à maman? De quel argent parles-tu, Kelly? Je sais que vous avez pris de l'argent dans la chambre de maman. Kelly, arrête ça! De quel argent est-ce que tu parles, Dieu? L'argent que vous avez volé à maman. Je sais que c'est vous qui avez volé cet argent. Où est cet argent? Kelly. Kelly. Bien, Kelly, de quel argent est-ce que tu parles? Bien, Kelly, sors de cette pièce si tu n'as rien d'important à dire. D'ailleurs, tu l'as entendu. Très bien. D'accord. Je m'en vais d'ici, mais je reviendrai. Petite voleuse. Pardon, dégage. Tu te prends pour qui? Attends. As-tu entendu? Tu as entendu comment il nous a appelés? Attends, nous a-t-il traité de voleuse? Mais ne sommes-nous pas des voleuses? Des voleuses. Des folles. Sans de l'argent. Il est très stupide. Maman. Maman. Ogini. Maman. Ogini. Pourquoi est-ce que tu cries mon nom partout comme ça? C'est quoi ça? Maman, qu'as-tu fait à Hélène? Pourquoi tu la détestes autant? On dirait qu'elle est le diable en personne. Regarde-moi ça. Hein? Écoute, si tu veux, tu peux le crier au monde entier. Ton mécontentement ne m'enlève pas un poil. Hein? Mais cette fille qu'on appelle Hélène va souffrir l'enfer entre mes mains. Tu comprends ce que je dis? Son enfer n'a pas encore commencé. Ce n'est que l'avant-goût. T'as noté ce que j'ai dit? Elle va vivre le martyr entre mes mains. Maman, tu m'as giflé. Ouais, et je t'en donnerai encore. Si tu continues à me fixer comme une chèvre. N'importe quoi. Abruti. Mouton. Hein? Pouvez-vous l'imaginer? Que mon propre fils ose me défier à cause de cette fille. Hein? Ok. C'est ce qu'on va voir. Je suis encore calme, oh. Je suis calme, mais cette fille va être la source de mes problèmes, oh. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi me giflait-elle à cause d'Hélène? Je ne peux pas la laisser tourmenter cette fille ainsi. Elle finira par la tuer. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois m'excuser. Ouais, c'est ça. Thank you.
Kelly? Hey, Hélène. Comment a été ta nuit? Ma nuit a été. Ah, ok. Je suis venu me rassurer que tu ne sentais plus froid. Oh, je me sens mieux maintenant, ça va. Dieu merci. Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien, je vais bien. T'en es sûr? Le repas. Il donne envie. En tout cas, c'est de l'eau qui est au feu, pas de nourriture. Ah, d'accord. Si tout va bien, je crois que je vais retourner à l'intérieur. Tu es sûr que ça va, que tout va bien? Oui, je vais bien. Ok. D'accord. Je vois que tu passes le balai. Oui, je nettoie. T'es encore là? Je dois achever ma mission. Je dois l'achever. Moi, aller à l'église. Je n'irai pas à l'église. Ouais. Aïe! Kelly! Kelly! Bonjour. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que t'as? Mon ventre. J'ai vraiment très mal. Et quand ça a commencé? Ce matin. Aïe! Tu peux toucher, ça me fait très mal. Je suis navrée. Merci. Désolée. Alors, tu n'iras pas à l'église avec nous ce matin? Ok, je le dirai à maman. Hélène prépare le petit déjeuner, d'accord? N'oublie pas de manger correctement pour prendre des médicaments. Je le ferai. Qu'en est-il? Hélène a-t-elle mangé? Mais quelle est cette question? Tu sais bien que maman ne la laisse pas manger à moins que nous soyons rassasiés. Et ensuite, elle pourra manger les restes. Aïe, c'est insupportable. Désolée. J'en peux plus. Désolée. Okay. Je dirai à Hélène de te trouver des médicaments, ok? Je dois rejoindre maman et Alice. Nous sommes déjà en retard. Ok. Fais attention. Ok. Ok, bye. Tu vas à l'église maintenant? Mais oui, okay. Nous sommes déjà en retard. Ok, au revoir. Bye bye. Je l'ai dit, je dois achever ma mission. J'aimerais tout le monde avoir. Toucher son corps et pouvoir lui faire l'amour juste pour voir. Et si elle s'y oppose, je vais devoir l'obliger. Je m'imagine déjà avec toi, mon corps contre ton corps, Hélène. Hélène banere de meso chokunobi e chujodo oganibu kone cheremo oga yekwe. Que chican llevo meses, amara chineke, o barba de dem. Kelly, qu'est-ce que ça signifie? Comment peux-tu me demander ce que ça signifie? Je veux dire, tu ne regardes pas les films? Ok, bien, même si tu ne regardes pas les films, tu ne lis pas aussi les livres? Hein? Tu ne sais pas ce que ça signifie quand un homme tient les hanches d'une femme? Kelly, as-tu oublié que nous sommes parentés? Nous avons le même sang? Allez, Hélène!
Oublie tout ça. Écoute, Hélène. En fait, je t'aime. Je n'avais pas réalisé cela avant la nuit dernière. Donc... Tu veux dire ce matin quand tu te perdais en me regardant? Justement, j'ai senti que quelque chose n'allait pas. J'ai cru que c'était dans ma tête. Mais maintenant, je vois les choses plus claires. Kelly, tu veux peut-être apporter la malédiction dans notre famille? C'est quoi ton problème? Ferme-la, Hélène. Ferme-la. Écoute, je crois que tu me connais très bien. Tu connais ma réputation et la raison de mon exclusion, n'est-ce pas? Écoute, si tu n'acceptes pas mes avances et tu ne me laisses pas aller au lit avec toi, je veux dire, juste une seule fois te goûter, je t'y obligerai, crois-moi, que tu le veuilles ou pas. Et tu sais ce que cela veut dire. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi et tu verras que nous sommes seuls. J'ai le champ libre et sache que personne ne viendra à ton secours. Alors si tu refuses, mes avances, toi-même tu verras. Alors, tu es d'accord ou pas? Kelly, tu dois être malade de penser que tu vas me toucher. Tu es malade. C'est ce qu'on verra. Viens là. Lâche-moi, lâche-moi. Ah, lâche-moi. Ah, ah, oh, ah. Hey! Vous allez bien? Je vais bien, je crois que j'ai eu un choc, mais je vais bien. D'accord, calmez-vous, inspirez, expirez. Vous aviez l'air terrifié et je me suis inquiété. Je ne sais pas si vous aviez déjà mangé depuis le matin. Non, j'ai pas mangé. Ok, permettez-moi de vous amener manger. Calmez-vous, écoutez, ok, vous savez quoi? Je voudrais vous amener dans le restaurant de votre choix. Je vous garderai en sécurité jusqu'à ce que vous décidiez de partir. Ah, tu es sûr? Oui, sentez-vous à l'aise. Désolé, je m'appelle Peter. Hélène. Waouh, quel beau prénom. Ok, suivez-moi juste. N'ayez pas peur, allez. Je vais aller chez cette femme, pas une autre. Seulement celle-là. C'est bon, d'accord, allons-y. Oh. Qu'est-ce que j'ai faim? Maman? Oui? Maman, dis-moi. Maman, cette fille n'est nulle part dans la maison. Ah ah. Où est cette chose? Hein? En fait, quand j'y pense, je ne l'ai pas vue depuis que nous sommes rentrés de l'église. Où est-ce qu'elle a bien pu passer? Hein? Où est-ce qu'elle est? Je ne l'ai pas vue depuis que nous sommes rentrés de l'église. Je ne sais pas, maman. Quand je suis sorti, je ne l'ai pas vue. Je me charge d'elle. Qu'est-ce qui se passe avec cette fille, non? Maman, laisse-moi aller te servir à manger. Je sais que t'as faim. Ouais, pardon, va me chercher un truc à manger. Hey. Ce n'est pas vrai, ça. Non, je suis sincère. Eh? En fait, je dois être sincère avec toi. J'apprécie vraiment t'accompagner. Tu es sérieux? Oui, très sûr. Sérieux. J'ai aimé t'accompagner aussi. Waouh. Oui, et merci pour le repas. C'était si délicieux. Ça faisait longtemps que je n'avais plus mangé ça. Ah. J'ai mangé avec appétit, hein? Voyons. Si possible, je pouvais finir 10 bons plats. Bonté divine. Vraiment. Arrête, tu es trop drôle. Écoute, je peux faire n'importe quoi pour toi. Oh. Si tu en veux plus, on peut y retourner. À toi de décider. Merci beaucoup, j'ai vraiment aimé. Ouais. Je suis sérieuse, tu sais pas ce que t'as fait pour moi. N'exagère pas. Désolée, mais là, je me sens triste. Pourquoi? Parce que je ne serai plus près de toi. Non, mais dis pas ça. T'es une bonne personne. Fais-moi confiance, tu l'es. Tu es sérieuse? Mm-hmm. Merci. Okay. Mais non, je dois partir. Déjà? Oui.
Voyons. Reste encore, je peux te raccompagner, qu'est-ce que t'en dis? Non, je suis très proche de la maison, pas besoin de m'accompagner. Non, ça va. C'est que je ne veux pas que ma tante... Ok, d'accord, je ne vais pas insister, ok? Ok, merci beaucoup. D'accord, encore. Prends soin de toi. À la prochaine. Kelly, comment te sens-tu? Je me sens beaucoup mieux. Tu as pris des médicaments? Oui, je les ai pris. Attends, qu'est-ce qu'elle a ta culotte? Ce n'est rien, c'est bon. J'ai trébuché en essayant d'entrer tout à l'heure. Ok. Ah, je vais bien. Ok. Et voici venue la prostituée. Qui? D'où est-ce que tu viens? Que veux-tu dire, d'où est-ce que je viens? N'est-ce pas toi? Ne suis-je pas quoi? Tu es parti de cette maison sachant très bien que je suis mal en point et tu as refusé de me donner à manger et de me donner mes médicaments. Ah, tu as essayé. Ferme-la. Est-ce que cette fille inutile est de retour? Oui, maman, elle est rentrée. Pardon, entre ici, je ne veux pas sortir te voir là-bas. Hein? Mais qu'est-ce que... Va lui répondre. Qu'est-ce que j'ai fait? Maman. Hélène, donc, t'as abandonné la maison? Hein? Ah non, viens. Non, maman, ce que t'es passé. C'est toi qui parles. T'as osé partir. Elle est ma maison. Non, maman. Comment ça, si c'est moi qui parle ou qu'un esprit m'a possédé? Bien sûr que c'est moi qui parle. Ou c'est la manière dont je lui ai parlé. Quelque chose a vraiment changé. Rien n'a changé. Plein de choses ont changé, Kelly. Je te dis que rien n'a changé. Ah. D'ailleurs, je m'en vais. Et mes étoiles, et Jojo, Ogani, vous connaîtrez mon. Et qui chica qui comme mes souhaits, Amara, Chine, qui obaruba, Nidima. Hélène. Tu ne serais pas en pleurs en ce moment si tu m'avais laissé accès à ton corps. Seulement après ma mort, cette abomination ne se produira jamais. Plutôt mourir, c'est ça? C'est ce qu'on verra. Tu vois ces vêtements? Tu vas les prendre. Ils sont sales, je veux dire. Certains ont des taches, je l'ai vu, impeccables. Écoute, tu vas les laver soigneusement et rassure-toi de ne laisser aucune tache dessus. J'espère que j'ai été clair. Rassure-toi de ne laisser aucune tache dessus. Qu'est-ce qui t'arrive? C'est Kelly. Je ne sais pas ce qui lui arrive. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé vis-à-vis d'Hélène. Oui, je l'ai remarqué. Il est si dur envers cette jeune fille. Et il la traite même plus durement. Exactement. Que nous et maman. Mais de toute façon, c'est une bonne chose. Comment ça, qu'est-ce que tu veux dire? Parce que finalement, Kelly est de notre côté.
Et il ne nous posera plus de questions sur notre comportement envers Hélène. Dans ce cas, tu as raison. Mm-hmm. Mais comment je n'ai pas pensé à ça depuis? Mm-hmm. Meuf, le rendez-vous avec Aladi tient toujours aujourd'hui? Bien sûr que non. Ok, regarde-moi maintenant. Comment suis-je habillée? Waouh! Eh bien, je ferais mieux de te préparer. Tu ferais mieux de te grouiller avant qu'on ne le perde. D'accord, j'arrive. D'accord. Tu me perds le temps. Tu ferais mieux de te dépêcher, oh. Sinon, on va le rater. Mon fils, tu m'as l'air responsable et plein de vie. C'est pour cette raison que je te dis toutes ces choses. Hein? Si ce n'était pas parce que je crains Dieu, je ne t'aurais jamais révélé ce genre de secret. Au grand jamais. Et tu sembles être quelqu'un de bien. Il a fallu que je te dise la vérité pour libérer ma conscience. Je comprends maintenant pourquoi elle a accepté mes avances aussi facilement, sans opposer de résistance. Le process était différent des autres filles. Comment ai-je fait pour ne pas voir ça venir? Est-ce que t'es fréquent à l'église? Ouais, j'y vais. Quelquefois, oui. Quelquefois? Mais c'est ça la raison, non? C'est clair, tu ne vas pas à l'église tout le temps. C'est pour ça que l'esprit saint ne t'a pas alerté. Oui. Hein? Cette fille est une sorcière. Une très grosse sorcière. Chef sorcière. Une sorcière? Quoi? L'esprit de la mort habite en elle. Tous ceux qui s'approchent d'elle finissent par mourir. Elle tue tous ceux qui s'approchent d'elle. Elle a commencé par tuer sa propre mère quand elle venait au monde. Ensuite, elle a tué son père quand celui-ci voyageait pour l'étranger pour aller lui chercher une bonne école. Tous ceux qui s'approchent d'elle finissent par mourir. D'une mort mystérieuse. La seule façon d'échapper à cette mort, c'est d'être cruel envers elle, la traiter sans pitié. En fait, ne m'aime pas l'approcher. Ah, n'essaye surtout pas. Si tu tiens à ta vie, fuis, cours aussi loin que possible. Je t'ai prévenu. Ha! Vous dites que la Hélène que je connais. Ouais! Cette fille, tu ne m'aimes pas. C'est pas un humain. C'est le diable incarné. Sorcière. Une grosse. Sauve ta vie pendant qu'il est encore temps. Parce que quelqu'un comme moi, je t'ai tout dit, je t'ai prévenu. Je vous suis très reconnaissant pour ces informations. C'est normal. Vous venez de me sauver la vie. Je fais ce qu'une bonne personne est censée faire. Je fais juste mon devoir envers Dieu. Ce que Dieu demande de faire, c'est ce que je fais. Donc. D'accord. Je dois, dans les heures qui suivent, faire un voyage d'affaires. Hey. Je vais prendre congé de vous. D'accord. Mais bye s'il bye. Te plaît, ne prends pas ça à cœur. Faut pas ressentir okay, tout merci. Ça. Prends soin de toi. Au revoir. Bye bye. Il est beau. Hey, maman. Comment était mon jeu d'acteur? Non, maman. Tu as fait. Hey. Tu as assuré. Maman. Tu dois rejoindre nos niveaux. Exactement. Maman, je ne savais pas que tu pouvais acter de la sorte. Hey. Maman, t'es ma mari. La bande d'un croit qu'elle va se marier alors que mes filles sont là. Elle veut se marier avant moi. Parce que quoi? Maman. Hein? Ce gars qui vient juste de partir. Oublie sa simplicité. Ce gars est riche. Et d'où est-ce que tu le connais? Maman, on l'a vu. Ok, maman. On l'a vu quand on rentrait de chez notre ami. Je l'ai vu. Nous l'avons maman, vu. Maman, il est riche. Cet homme qui vient de partir. Maman, roule dans une grosse voiture. Il roule dans une voiture très luxueuse. Ce gars qui est sorti, qui a fait un tour en Éthiopie, qui n'a pas mangé depuis des jours. Il est très riche. Mais tu attends quoi pour le rattraper? Allez, vas-y, cours. Que je le cours après. Vas-y, dépêche-toi. Qu'est-ce que tu fais? Maman, c'est moi qui devrais. Attends quand ton tour arrivera, tu partiras. Ada, dépêche-toi. Vas-y, vite, dico. Parce que tu as vu l'argent. C'est mon style. Écoute, mais sinon, maman, tu peux être une bonne actrice. En un laps de temps, tu es aussi convaincante, juste avec quelques mots. Ne doute même pas. Hey, maman. Écoute, tu vois ce gars? S'il est aussi riche que vous prétendez, nous sommes riches. L'osas.
Peter. Ah, pendant que je revenais du marché, je t'ai aperçu avec ma sœur Ada. J'étais choquée. J'ai même balancé ma main à distance, mais tu l'as ignorée. Ah, je suis venue vers toi pour savoir si j'avais fait quelque chose et voir quel est le problème avant de rentrer. Peter, quel est le problème? Tu es le problème. Oui, j'ai fait exprès de ne pas te voir. Oh, tu as décidé d'entrer dans ma vie pour la détruire. Je sais que tu es habité par l'esprit de mort. L'esprit de mort est en toi et tu ne m'as rien dit. Hélène, tu es malveillante. Peter, mais d'où est-ce que tu sors cela? Ça vient de partout. Parce que tout le monde sait que tu es maudite. Ta famille, ton défunt père, ta génération. Écoute, je ne voudrais plus jamais te voir autour de moi. Que chacun reste de son côté, il est préférable ainsi. J'espère que tu m'as compris. Peter, que t'ai-je fait pour mériter ceci? Que t'ai-je fait? J'ai assez entendu. Maintenant, sors de ma maison. Qui est à côté de moi? J'ai dit va-t'en! Peter, t'es sérieux? Tu es sérieux? Va-t'en! Tu es... Va-t'en. J'ai... À genoux. Maman? Ça veut dire quoi, ma? T'es peut-être devenue sourde. J'ai dit, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux. Maman? Hélène! Hé! Kenyewem, donc t'as une petite amie. Hein? Et tu ne veux pas que je le sache? Non. Tu veux porter la grossesse dans ma maison? Non, maman, non. Hélène! Maman, c'est juste un ami, c'est... Juste? Hélène, juste! Tu veux salir mon nom dans ce village? Non, que je suis une mauvaise mère? Non, maman, ou bien, tends la main. J'ai dit, madame, tends-moi. Allez, tends les mains, dépêche-toi. Maman. Tu vas sortir. Tends-moi cette main. Tends-la-moi. Je suis là. Vous auriez pu m'appeler au lieu de vous dire. Tends ta main. Tu ne sais pas ce que veut dire tendre sa main. Ouvre ta main. Maman. Ouvre ta main. Maman. Ouvre ta main. Tu es là. Tu veux porter. Maman. C'est son pépin. Frappe-la. C'est son pépin. Frappe-la. C'est chez moi. Tu veux porter la grossesse. C'est chez moi. Et c'est chez moi. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourtant, tu m'as dit que tu m'aimais et que tu serais toujours près de moi. Papa était content de me voir pleurer. Papa était dans le ciel, voyant ta sœur et ses enfants me maltraiter. Et là, tu ne fais rien du tout. Tu veux peut-être que je te rejoigne là-bas. C'est là que tu vas réagir. Je suis fatiguée de cette douleur. Père, je suis fatiguée. Je suis fatiguée de cette vie. Je veux te rejoindre. Père, je veux te rejoindre. Si seulement le suicide n'était pas péché contre Dieu, je l'aurais fait il y a longtemps maintenant. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Ouzo, mon frère, comment vas-tu? Tu sais comment je vais, mais tu m'as laissé. Non, je n'aurais jamais fait cela. Je suis parti à la recherche de quoi manger ma famille et moi. Et je n'ai rien trouvé. Je voudrais... Qu'est-ce qui nous est exactement arrivé? Je ne sais pas. Je n'arrive pas toujours à croire qu'avec tout l'argent que nous possédions après la vente de la maison de notre frère, nous avons tout dilapidé. J'ai l'impression que l'esprit de notre frère est contre nous. Que pouvait-on attendre de simples illettrés comme nous? Hein? Nous ne sommes pas allés à l'école. L'esprit de notre frère a vraiment été contre nous. Mais le fait est que nous sommes des illettrés. Nous ne pouvions pas contrôler ces millions. Ah, je t'en prie, mon frère. Si tu as mangé, donne-moi, je meurs de faim.
Je vais mourir. T'inquiète pas. J'ai à manger à la maison. S'il te plaît. Allons, tu m'en donneras. Ok, allons. S'il te plaît, trouve-moi quelque chose. Allons-y. Merci, mon frère. Hein? Salut. Hey, bonsoir à vous. Êtes-vous de cette communauté? Non, je suis pas, mais je connais pas mal d'endroits ici. D'accord, Dieu merci. Je cherche la maison de mon cousin et là, j'arrive pas à retrouver ma direction. Comment pouvez-vous aller quelque part sans direction? J'ai pas bonne mémoire. Vous ne me croirez pas si je vous disais que j'ai visité ce village à plusieurs reprises et ça m'arrive toujours. Vous avez donc une courte mémoire. De toutes les façons, je vais vous aider. Dieu merci. Alors, je prends quelle route? Je dois d'abord connaître le cousin. Ah oui, t'as raison, désolé. Ndidi est son nom. Ndidi, c'est son nom. Ndidi. Nous en avons deux dans cette communauté. Est-ce celui qui a voyagé hors du pays? Ou alors celui qui a cette coiffure particulière? Ah oui, c'est de lui que je suis en train de parler. Laissez-moi vous dire, mais vous n'allez pas me croire que je l'ai supplié à maintes reprises de changer cette voiture, mais il a refusé. Vous êtes sûr? Comme je vous le dis là. Ok, c'est très facile, aller tout droit en bas. Pourquoi ne pas? Entrez et me conduire chez vous. J'aurais bien aimé, mais... Je vais vous dédommager pour le dérangement. Je m'en vais en marché, m'attendre comme ça. Je ne vais pas prendre du temps. S'il te plaît. Vous êtes sûr? S'il vous plaît. Et alors, c'est ici? Oui, c'est là. Ok. Merci beaucoup, j'ai vraiment apprécié. Oh non, c'est moi qui devrais vous remercier. Vous avez beaucoup fait pour moi. Bon, attends. Honnêtement, vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je vous attende? Vous achetez ce que vous avez à faire et que je vous raconte. C'est bon, vous en avez déjà fait assez parce que je vous ai montré la route. Non, c'est vous qui en avez fait assez. J'insiste, c'est bon. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Ok, d'accord. Oui, bien. Je suis un gentleman. Ok. Allons-y. Ok. Ok. Merci beaucoup. Je n'ai pas demandé son numéro, ni même son adresse. Ok. Ce n'est pas encore tard, je vais y retourner. Merde, j'espère qu'elle y sera encore. Je pense que c'est ici. Putain de merde. J'espère qu'elle y sera encore. Ok. Voilà, c'est ici, je pense que c'est ici. Putain. Oh là là. Voilà, c'est ici.
Hey. Encore cette fille? Hein? Seulement aller au marché m'acheter quelques articles. Elle part s'éterniser. Et de surcroît, j'ai très faim. Hey! Ok, maman, elle arrive. Madame! Madame! D'où est-ce que tu sors? Pendant que je... D'où est-ce que tu viens? Du marché, maman. De quel marché? Le marché qui est à deux pas d'ici? Hein? Le marché qui est à deux pas d'ici? Maman, mets-toi à genoux. La ferme! À genoux. C'est pas moi que tu racontes des conneries. Maman, maman, non, c'est à moi. C'est à moi que tu racontes des conneries. Maman, c'est à moi que tu racontes. Maman, maman, je te demande d'aller au marché. Je suis ici à côté. Maman, 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 maman. T'es là, frérot? Ouais, je suis là. À quoi penses-tu? Est-ce la fille dont tu m'as parlé? Plutôt? Eh bien... oui. Je pense à la fille dont je t'ai parlé un peu plus tôt. Et à Maka, tu sais... Ce jour-là était... Tu vois, je ne sais même pas comment t'expliquer cela. Mon frère est amoureux. Tu vois, je n'arrive pas à la faire sortir de ma tête. Alors ne la sors pas de ta tête. Pardon? Oui, frérot, ne la sors pas de ta tête. Oui. Bien sûr. Quoi? Écoutez, donne-moi à manger. Frérot, tu es amoureux. Ramène-moi quelque chose à manger, s'il te plaît. Pardon. Hey, mon frère est amoureux. Va me chercher de quoi manger. Mais quel est ton problème? Oui, c'est ça. Vas-y. Je ne suis pas ta femme. Désolé, désolé. S'il vous plaît, je cherche une fille noire. Une jeune fille de teint noir et de petite et de taille moyenne, s'il vous plaît. Vous connaissez son nom? Son nom? Hélène, oui, Hélène. Oh, la fille de Chief Chimeremeze. Ah, et où se trouve sa maison? D'accord. Si vous descendez, vous verrez la maison à votre gauche. Mais, je vous conseille, si vous y allez pour l'épouser, cette famille est maudite. Maudite? Oui. Et vous avez dit que je descende par là? Descendez juste.
Prenez à votre merci, gauche. Monsieur. Allez, merci à vous. D'accord. Amaka, je n'ai jamais vu autant de haine durant toute ma vie. Tu aurais dû entendre comment sa tante parlait de sa nièce. Eh bien. C'était étrange. Très étrange. Oh. Très étrange. Hmm? Que vas-tu faire à propos de ce qu'elle t'a dit? Comment je vais faire par rapport à ce qu'elle a dit? Écoute, je ne ferai absolument rien. Tu aurais dû voir cette fille dont elle parlait. Amaka, quand tu verras cette fille, tu sauras que tout ce qu'elle disait n'était que du mensonge. Des mensonges. D'accord. Je te fais confiance. Et alors, comment vas-tu payer sa dot? Ah! Tu me demandes quand je vais payer sa dot? Mais oui. Pourquoi se précipiter? Yeah. Pourquoi ne pas? Frérot, dépêche-toi d'aller payer sa dot. Alors comme ça, ma belle-sœur pourra venir rester avec nous. Ah. Attends, tu l'as appelé de payer sa dot. Maintenant, mm-hmm. Tu l'appelles déjà ta belle-sœur. Bien sûr, c'est ma belle-sœur. Tu sais que je dois d'abord côtoyer cette fille avant de l'épouser, n'est-ce pas? Laisse tomber ça, frérot. Je laisse tomber. Et toi, dis-moi, quand vas-tu te marier? Frérot, je ne veux pas me marier. Écoute, voilà donc toute l'histoire. Bamba, c'est pas toi que je raconte cette histoire. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? Je ne savais pas que c'est moi que tu parlais. Désolé, qu'est-ce que tu disais? Tu ne savais pas que c'est à toi que je parlais? Non, je ne savais pas. Quoi qu'il en soit, je veux juste que tu me dises si tout ce que cette femme racontait est vrai ou pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit exactement? Bien, si tu m'écoutais, tu aurais compris que j'aime cette fille. Si elle ne m'intéressait pas, je ne t'aurais pas posé autant de questions. Mais si cette fille t'intéresse, vaut mieux la retrouver. Mais n'accepte pas n'importe quoi aussi. Mais de quel côté es-tu? Avec toi, bien sûr. Mais on ne dirait pas. Ça parle de mariage. Hey. Je dois y aller. Bamba, comment t'es-je connu? Tu es sérieux? Mais pourquoi? Attends, donc c'est de ça que tu parlais? Non, non, pas du tout. Mais sérieusement, j'aime vraiment, vraiment ta maison. Elle est très belle. Mais pas plus belle que la maison de ton père. J'ai entendu que votre père était le plus riche de votre communauté. Il était très riche. Mais hélas, c'est arrivé. Oui. Disons juste ainsi est fait de la vie. Exactement, ma sœur. Mais ici, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème. Tu dois oublier le passé, hein? Tu es dans une nouvelle famille. Une famille qui t'aime, hein? Une nouvelle sœur. Oh. Et tu sais que mon frère t'aime beaucoup. Oui, tellement beaucoup. Il n'arrête pas de parler de toi. Le premier jour qu'il m'a parlé de toi, il ne s'est plus jamais empêché de parler de toi. Tu es sérieux? Je t'assure. Bienvenue chez nous. Merci. Maintenant, mon frère a eu à me parler d'un repas que tu aurais cuisiné pour lui. Va aussi le faire pour moi. Bien sûr que je vais le faire pour toi. Vraiment? Laisse-moi te dire, mon père m'a appris à bien cuisiner. Ah, heureusement qu'il t'a appris, mon frère t'a ramené. Merci Seigneur. Je vais le faire. Allons-y. Hey! Hey, mon beau des beaux. Ne m'appelle plus ton beau-fils. Tu ne m'as jamais connu. Tu ne m'as jamais connu. Je suis venu te remettre cette vulgaire chose que tu m'as vendue. Ah. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mon beau-fils.
Écoute, écoute, le fait de t'entendre m'appeler ton beau-fils me met dans les nerfs, t'as pas idée. Je ne veux pas être impoli avec toi, je ne veux pas crier. Qu'est-ce que... c'est quoi le problème? Hein? Calme-toi et parle-moi. C'est ta fille. Elle est la mieux placée pour répondre à ta question. Hey! Excusez-moi. Ogre! Ogre! Mon beau-fils! Hé, hey, Adama! Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Maman, Peter n'arrivait plus à me satisfaire. Et où? Alors j'ai couché avec son meilleur ami et il nous a attrapés. Ah! Hein? Oui, maman. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Ai-je bien entendu? T'as dit quoi? Maman, tu m'as posé la question. Tu l'as posée, je t'ai répondu. Ne me stresse pas plus que je ne le suis déjà. Pardon. Pardon, maman. Hey! Ada! Oguadmo. If Oguadmo. Suis-je en train de rêver? Est-ce que je suis dans un... Est-ce que... Je... Hey! Chinekeme. Oui, docteur, comment allez-vous? Oui, je suis à la maison. Un problème. Qu'est-ce qui est arrivé à la marchandise? Qu'est-ce que vous voulez dire? Mon conteneur a coulé? Si c'est une blague, si c'est une blague, je vous en prie, au nom de Dieu, arrêtez cela, s'il vous plaît. Hé, hey, putain de merde. Oh mon Dieu, pourquoi est-ce que ça m'arrive? Non mais, qui m'appelle à cette heure? Allô? Quel est le problème? Attends, qu'est-ce que tu veux dire par tout appeler? Non, si c'est une barre, tu ferais mieux d'arrêter. Non, mais que signifie tout ceci? Que signifie tout ceci? Seigneur! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai perdu ma marchandise. Ta marchandise? Ma marchandise a coulé. Comment? Mes boutiques ont brûlé. Comment? Bébé, qu'est-ce qui s'est passé? Dis, bébé, comment? Bébé, comment? Comment vais-je faire? Calme-toi. Comment vais-je faire? Mais comment? Comment ça s'est passé? Ok, c'est quoi le problème? Frère, rien ne va bien. Que signifie tout ceci? Ne vois-tu pas ce que cette fille t'a fait? Ok, de quelle fille est-ce que tu parles? Mais dis donc, frère, je te parle d'Hélène. Combien de fois t'ai-je dit de rester hors de ma vie sentimentale? Frère, je vais m'en mêler. Oh. Je ne peux que m'en mêler. Frère, mais qu'est-ce qu'il y a? Depuis que tu l'as épousée et l'as ramenée ici, rien ne va dans cette maison. Tes affaires ne marchent plus. Rien du tout, en fait. Mais frère, oh, laisse-la partir. Et qui es-tu pour me dire cela? Je suis ta petite sœur. Ma petite sœur, n'est-ce pas? Oui. La prochaine fois que tu vas ouvrir ta bouche entre Hélène et moi, écoute bien ce que je vais te dire. Tu ne vas pas aimer ce qui va se passer. Elle doit partir, oh. Ok, laisse-moi te demander. T'as-tu déjà demandé pourquoi tu ne t'es pas encore mariée? Hein? T'es-tu demandé pourquoi tu ne t'es pas encore marié? Pour que je puisse te sauver. Pour que tu puisses me sauver? Sauve-toi d'abord, ok? Sauve-toi d'abord avant de vouloir me sauver et va te marier. Hélène, tu dois partir. Tu ne resteras pas dans cette maison, pas du tout. Tu dois partir. Amaka, je n'ai jamais vu autant de haine durant toute ma vie.
Tu aurais dû entendre comment sa tante parlait de sa nièce. Eh bien. C'était étrange. Très étrange. Oh. Très étrange. Hein? Que vas-tu faire à propos de ce qu'elle t'a dit? Comment je vais faire par rapport à ce qu'elle a dit? Écoute, je ne ferai absolument rien. Tu aurais dû voir cette fille dont elle parlait. Amaka, quand tu verras cette fille, tu sauras que tout ce qu'elle disait n'était que du mensonge. Des mensonges. D'accord. Je te fais confiance. Et alors, comment vas-tu payer sa dot? Ah! Tu me demandes quand je vais payer sa dot? Mais oui. Pourquoi se précipiter? Yeah. Pourquoi ne pas? Frère, dépêche-toi d'aller payer sa dot. Alors comme ça, ma belle-sœur pourra venir rester avec nous. Ah! Attends, tu l'as appelé de payer sa dot. Maintenant, tu l'appelles déjà ta belle-sœur. Bien sûr, c'est ma belle-sœur. Tu sais que je dois d'abord côtoyer cette fille avant de l'épouser, n'est-ce pas? Laisse tomber ça, frérot. Je laisse tomber. Et toi, dis-moi, quand vas-tu te marier? Frérot, je ne veux pas me marier. Il est bon pour Mao. Bonsoir. Et où vas-tu? Je ne comprends pas. Aux dernières nouvelles, c'est chez mon mari. Marie, es-tu mariée? Hélène, es-tu mariée? Je ne comprends pas vraiment d'où sort cette question. Mm. Bien sûr que oui, je le suis. Mm. Ça vient du village de ton père. Hélène, pars de chez nous. Nous ne voulons plus de toi. Ramasse tes affaires et va-t'en. Donc, tu ne vois pas. Hein? Tu ne vois pas qu'il est dessiné partout sur les murs. Depuis que mon frère t'a épousé, toutes ces affaires ne marchent plus. Toutes ces relations, bam, l'ont tous lâché. Hélène, porte tes affaires, il va-t'en. Amaka, tu sais plus que tout le monde que c'est pas ma faute. Hein? N'est pas ma faute. Oh. Les choses qui se passent, il s'agit de quel Dieu? Quel Dieu? Laisse Dieu tranquille. Dieu ne peut rien faire, Hélène. Ramasse tes affaires et va-t'en. Laisse-nous Amaka, tranquille. S'il te plaît, ramasse tes affaires et va-t'en. S'il te plaît, arrête avec ça. Je reviens juste de l'église. Eh oui. Et quoi, son avocat? Je ne savais pas que le diable partait à l'église. Prends tes affaires, il va-t'en. Mon frère ne te reverra plus, compris? Il ne viendra plus te trouver ici, s'il te plaît, va-t'en. Amaka, qu'est-ce qui te passe par la tête? Hélène, va-t'en. Va-t'en. Prends tes affaires, il va-t'en. Va-t'en. Amaka, t'es sérieuse, hein? Alors j'étais en train de m'amuser avec toi. Ai-je l'air de plaisanter? Amaka, t'es sérieuse? Regarde-moi bien, ai-je l'air de plaisanter? Tu t'en iras d'ici, sorcière. Je sais que tu as ce que tu as dans ta tête, mais s'il te plaît, je veux me reposer. Jamais. Amaka, Biko. Hélène, prends tes affaires, va-t'en. Amaka, je vais te battre, hein? Je vais te battre! Va dire à ces démons qui t'ont envoyé que tu ne m'as pas vu. Prends tes affaires, va-t'en. Je ne vais nulle part. Prends tes affaires, va-t'en. Va-t'en d'ici. Amaka. Je ne suis pas en train de blaguer. Va-t'en, mon frère ne te retrouvera plus. Amaka, je ne vais nulle part. Amaka, je ne vais nulle part. Amaka, je n'irai nulle part. Amaka, je ne vais nulle part. Je ne vais. Amaka, je ne vais. Je ne bouge pas. Va-t'en, le mariage n'est pas forcé. Emeka, je ne comprends plus rien. Tout a soudainement chuté. Bambo, qu'est-ce qui a chuté? Hein? Bambo, qu'est-ce qui a chuté? Ah, tu veux m'avaler? Tu me demandes comme si tu ne le savais pas. Écoute, ton business a fait faillite. Le bateau qui transportait ta marchandise a coulé et ta boutique a brûlé. Qui sait ce qui suivra? Même ta maison risquerait certainement de brûler. Attends, dis-moi un peu, tu me le souhaites? Dis, pourquoi t'es mon ami? C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu es de mèche avec ma sœur et tout le monde dans ce village pour combattre Hélène? Mais qu'est-ce que je vous ai fait? J'aime cette fille. Il n'y a rien que toi, ma sœur ou quiconque dans ce village peut faire pour que j'oublie cette fille. Et mettez ça dans vos têtes. Et tu vois ta grosse tête? Si tu n'arrêtes pas ça rapidement, tu ne seras plus mon ami. Je le savais. Elle t'a donné un charme. Et Yogo Nino, bientôt tu vas certainement commencer à marcher nu. Bébé, ma
charmante, mon charmant bébé. Comment était ta journée? Bien, ma journée était superbe. Ok. Et je suis allé à la clinique pour me rassurer que les marchandises sont bien arrivées. Et en parlant de la clinique, tu ne m'as pas dit comment s'est passée ta visite chez le docteur Frank à l'hôpital? Oui, ça s'est bien passé. Ok, ça alors, et qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi le problème? En fait, il a dit, tu sais quoi? Attends donc ta sœur rentre, tu vas mieux comprendre. Et pourquoi est-ce que ma sœur devait être là? Quelqu'un a appelé mon nom. Parlant du diable, okay, il a parlé. Ok, vas-y, on t'écoute. Bébé, le fait c'est un docteur Mike a dit. Mais allez, parle, qu'a-t-il dit? Il a dit que ce qui me dérange va prendre des mois avant de sortir finalement. Nom de Dieu. Oui. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'on pouvait faire? Ok, ok bébé, allez dis-moi, et toi qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il t'a dit, je pourrais trouver n'importe quel traitement qu'il te faut, chérie? Bébé. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit que c'était très sérieux. Ok. Ça n'a pas de nom. Quel a été le diagnostic? Mais parle, bébé! Désolé. Qu'est-ce qu'il a dit, chérie? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je suis enceinte. Je suis enceinte, bébé. Attends. Je vais devenir père? Oui. Hélène, je vais devenir père? Oui. Oh, mon Dieu. Tu vas faire mal au bébé. Désolé, bébé, je suis désolé. S'il te plaît. Ah, Dieu est vraiment merveilleux pour moi. Waouh! Je pense aux jeûnes et prières que j'ai fait pendant 5 ans. Il a vraiment changé ma vie. Les affaires de mon mari retournent peu à peu à la normale. Il reçoit des appels de différents hôpitaux pour livrer de nouveaux médicaments. Il a même un voyage d'affaires pour la semaine prochaine. Oh Dieu, tu es si bon. Amaka me surprend encore et encore. Elle a vraiment changé et revenue à la normale. Nous sommes redevenus des amis comme auparavant. Maintenant qu'elle vit chez son mari, elle va vraiment me manquer. Waouh! J'attends de voir ce qui va se passer quand je vais finir ces 7 jours de jeûne et prière. Ah, mon Dieu, tu es si grand. Merci Jésus. Merci Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci Jésus. Hélène, tantine, que me vaut l'honneur de votre ma fille. Oh, venez à l'intérieur, hein. Venez-en, bienvenue. Je ne vous attendais pas, mais venez. Ma fille, attends. S'il te plaît, pardonne-nous, hein. Pardonne-nous. Oh, mes enfants et moi t'avons offensé, nous le savons. S'il te plaît, je ne sais pas ce qui nous est arrivé, hein. S'il te plaît. Pardonne-nous la façon dont on t'a traité quand tu étais avec nous. Je sais que nous t'avons vraiment détesté. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais vraiment pas. Pardonne-nous juste. Oh, s'il te plaît. Hélène, s'il te plaît, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. S'il te plaît. Hélène, je suis désolée. Pardonne-nous. Non, tu ne mets pas à genoux. Lève-toi. S'il te plaît, ma fille. Tantine, Kelly, Ada, s'il te plaît,
Alice, je n'ai rien contre vous dans mon cœur. Je vous ai pardonné. C'est vrai que vous m'avez maltraitée quand j'étais avec vous. Ce n'était pas que vous. Partout où j'allais, c'était le cas. Mais ce n'était pas leur faute aussi. Oui. C'était pour que je me rapproche de Dieu. Mon pasteur m'a donné 7 jours de jeûne et prière. Oui, c'est quand j'ai entamé le jeûne que les choses ont commencé à changer. Alors, Dieu a révélé tout ce qui m'était arrivé. C'est ainsi que ça a commencé. Eseigné, tu sais que je t'aime tellement. Je sais que tes parents ne veulent pas qu'on soit ensemble, mais ça ne peut pas nous arrêter. Timérisé, mon amour, tu sais que je t'aime tellement et je ne peux pas vivre sans toi. T'es mon meilleur et le seul. Je t'aime aussi. Je t'aime aussi, Eseigné. Et même la mort ne peut pas nous séparer. Eziné, d'où est-ce que tu viens? Eziné, je te le demande, où étais-tu? Je t'ai dit de ne plus traîner avec ce gars. Tu sais que nous venons d'une famille pauvre. Ton père est mort. Nous avons besoin de quelqu'un qui pourra nous aider. Hein? Veux-tu mourir étant pauvre? Eziné. Maman? C'est la bonne façon pour toi d'être riche. Maman, j'aime Timérisé et Timérisé m'aime également. Maman, je ne veux plus entendre ce que tu racontes. Soit j'épouse Timérisé, soit personne d'autre. Je ne ferai Eziné, pas ce que tu veux. Eziné, où est-ce que tu vas? Eziné, reviens ici. Reviens ici, Eziné. Ne me fais pas faire quelque chose que je vais regretter. Oh. Mon amour, écoute, je suis fatiguée. Ma mère est toujours là dans mon dos. À ce stade, je pense que la seule possibilité qu'on a, c'est de s'enfuir parce que je n'en peux plus. Mon amour, je comprends. Je sais que ta mère n'est pas d'accord avec ceci, mais nous devons partir. J'ai terminé avec mon examen et j'ai beaucoup de projets. Je rencontre des amis et je suis sûre que d'ici 3 ans, nous allons réussir et nous reviendrons les voir. C'est vrai. Si mon père était encore en vie, tout ceci ne serait pas arrivé. C'est parce que mon père n'est plus que ma mère veut me forcer à épouser un homme riche. Tu sais quoi? Nous allons fuir, ok? Juste fais tes bagages, ok? Et ce soir, nous partirons, ok? Ok, ouais. Ok, mon amour. Eziné est parti. Eziné est parti. Eziné est parti. Je te maudis aujourd'hui pour m'avoir manqué de respect, de m'avoir causé du chagrin et t'être enfui avec ce type. Je vous maudis aujourd'hui. Tu vas mourir le jour de ton accouchement. Tu vas mourir. Et même si ton mari devient riche, il ne vivra pas assez longtemps pour en profiter. Eziné, tes enfants vivront un enfer. Tes enfants vont souffrir. Tes enfants vont souffrir. Eziné, qu'il en soit ainsi. Hey! Oui, c'est ce qui s'est passé. C'est ma grand-mère qui a maudit ma mère et sa génération. Et je fais partie de cette génération. Donc, c'est une malédiction. Oui, c'est une malédiction. Je me souviens que ton père aimait tant ta mère, mais tout le monde était contre. Oh, c'était une malédiction. Hé, hey, désolée, oh. Et merci. Nous sommes désolés. Merci, viens. Désolée, ça va t'entier. Et maintenant, les choses se sont arrangées. Même si nous avons eu des soucis d'argent, maintenant les choses vont mieux. Mon mari va hors du pays pour une affaire sonore. Ah, hey, et je suis enceinte.
Merci. Voilà, ma fille, félicitations. C'est formidable. Ok, allons à l'intérieur. Nous avons beaucoup à partager. Hey! Gloire à Dieu! Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le ibo, le tui, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 98 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. Thank you.